très libre là, et exclusive. Il n'a jamais de comparer ça, non. C'est comme ça. En fait, heureusement que cette plan n'existe pas, hein, sur cette vidéo là n'existe pas. Heureusement. Sur cette vidéo n'existe pas. Parce que la voix de Dieu, c'est quoi, c'est arrêter le combat. Dieu ne vous refuse pas de faire la règle. Hein. De faire la règle, mais ne fait pas la règle, excuse-moi, une fois que le combat. Ça va, c'est comme ça. Donc celui qui ne fait pas ça là, celui qui ne fait pas la voix de Dieu là, celui qui n'arrive pas le combat là, il ne peut pas vivre parce qu'il ne fait pas la loi de Dieu. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas vivre dans la création de Dieu, il ne peut pas vivre. Heureusement, cette personne n'existe pas. Heureusement, cette personne n'existe pas. Ça va, c'est comme ça. Au moins, il a tout à quoi, un petit compas. Si on ne peut pas vivre, même si c'est un petit, même si c'est petit là, il ajoute ça, si on ne peut pas vivre. C'était possible. Ça va. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas juste. C'est pas juste. Au moins, il y a un petit combat. Déjà, tu connais quoi? Le combat derrière, c'est quoi? C'est une réflexion sur les. Ça va. Réfléchir, c'est quoi? Réfléchir, il a les endroits propices pour bien réfléchir. Ça va, il faut faire quoi? Il faut s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas être gêné. Ça va, s'écarter. Il ne faut pas être gêné par les. Par les voisins qui vont te parler, qui vont te distraire, tout ça. C'est vrai, sinon, ta impression sera plus inquiété. Ou encore, tu peux risquer même la pourrie. Tu peux réfléchir, maintenant tu parles. Ça va, tu fais des choses, ça peut péter, tu peux péter les plombs. Tu peux devenir fou, facilement. Ça va, on peut faire des choses à la fois. Pour réfléchir, on fait quoi? On commence par faire quoi? On est seul. Ça, réfléchir. Et la réflexion, c'est quoi? C'est une communication. Tu es un peu communiqué avec quelqu'un, avec Dieu. Ça va, c'est comme ça. Donc, quand tu déballes la réflexion, il faut expliquer ça. Hein? Tu commences par quoi? Tu commences par s'isoler. C'est tout seul. Ça va, c'est comme ça. Et si tu as fait quoi? Et si tu as fait un compas? Tu as pris un compas imaginaire. Et puis, tu as cassé un cercle. Un cercle imaginaire. Puis, tu t'es dit, et c'est toi qui es au centre de ce cercle. Tu as dit à tes voisins là, ne déborder pas quoi, cette ligne là, c'est que la paix vient passer. Merci, en dehors, merci en dehors de. On est du cercle là, ne venez pas là, c'est pas qu'elle, et c'est pas qu'elle soit du cercle là. Ça va, c'est comme ça. Tu as pris un combat, déjà, en démarrant la réflexion là, tu as pris un combat, tu as pris un combat imaginaire, mais c'est tout ce que tu peux voir, le combat là. Ne fais pas comme ça là, Dieu vient dire à toi. À toi automatiquement, il va t'inspirer et ses paroles sont paraboliques. Il va te les déchiffrer. Ça va, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Il a dit autant que d'être voici. Voici, sexe. Autant que d'être voici, d'être tout ce sexe, voici Satan qui vous parle. Ça va, c'est comme ça. Son sexe, au moins, il fait quoi? Il tient au moins. Un compas, il commence par le compas. Ça va. Dieu descend, il inspire, mais l'inspiration, il passe à côté de l'inspiration, il passe à côté de comment déchirer le déchiffrement de l'inspiration. L'inspiration, il est un truc favori. Maintenant, c'est de passe. C'est de ne réussir pas le déchiffrement là, c'est de ne pas avoir là, c'est de ne pas avoir. Parce que quoi? La plupart des 7, c'est un peu dit. Il y a les 7 en plus et les 7 moins. Et quand il parle du 17, prenez en général le 17 là, comme
majorité, c'est ça qui est le centre point.